notre argumentaire, il est basé sur deux principes. C'est la singularité de l'être et l'interdépendance constante entre les individus. À partir du moment où on a bien conscience que tout au long de notre vie, nous sommes interdépendants, il n'y a aucune raison de segmenter les choses. Pourquoi ? Je crois que la Révolution française nous a donné un héritage extraordinaire, qui est celui de l'égalité des droits. Et le problème, c'est qu'on a tellement mal transmis cette notion d'égalité des droits qu'on a vite basculé sur une égalité des êtres qui n'existe pas. Et du coup, on invente sans arrêt des dispositifs sectoriels au lieu, et là c'est pour répondre à opérateur, au lieu d'apporter du sens et de construire des politiques transversales. Et si on est dans une impasse aujourd'hui, c'est par manque de sens, je ne suis pas la première à le dire, c'est par manque de sens, et ça n'est qu'ensemble et avec l'ensemble des acteurs, notamment ceux qui sont présents sur les territoires et qui connaissent le mieux le terrain, qui sont des experts et qui sont après capables de théoriser, et je pense que vous pouvez le voir ici, qu'on pourra vraiment répondre et construire des politiques transversales qui nous permettront de résoudre l'impasse, enfin, il faut dire les choses comme elles sont, l'impasse dans laquelle on est aujourd'hui.